Ce minéral dressé ou couché, à quel ordre appartient-il? À quel désordre? Cela n'a pas de nom précis dans aucune langue, pas d'histoire propre. C'est nulle part. Cela pourrait être n'importe quand. Même sous ce ciel dont tout juste une vague teinture d'encre violette essaye de nous convaincre qu'il est méditerranéen. Mais c'est en vain que je cherche, que je m'éloigne, que je m'approche. Que je multiplie les points de vue pour essayer de dévoiler le visage du Dieu caché au nom duquel s'est échafaudé un jour ce charnier. Et ne parlons pas de ruines. N'incriminons pas le temps, comme si ces pierres avaient été vaincues par les années. Ces arbres pétrifiés, comment ne pas voir qu'ils n'ont ni mimé la forme classique d'un temple que l'espace d'un bâillement. Ceux qui l'ont construit ne lui ont donné cet aspect que par une sorte d'acquis de conscience, bien convaincus au fond d'eux-mêmes qu'à peine entassés les uns sur les autres, à peine plantés en allée rectiligne le long du cordeau, ces morceaux de matière informe arrachés à la matière iraient reprendre tout doucement, comme les mâts d'un grand vaisseau fantôme, leur lente dérivation à travers le règne minéral qui, pas un instant, n'avait cessé d'être le leur. Tout retournera donc à la boue, à la cendre. Rien ne peut défier le temps. Comment oserait-on? Le Dieu cruel et vain, dont il s'agit ce soir de se concilier les bonnes grâces, dans cette vallée aux arbres rabougris, en alignant systématiquement les troncs fossilisés par avance, n'a que faire de demeure et d'offrande. Il n'a besoin de rien, ni
ni de prière, ni de culte. À peine d'hécatombe. Encore n'est-il pas sûr que les plaintes des victimes consentantes et leur sang fumant sur l'autel, les lourdes vapeurs qui s'appesantissent sur ces collines, en emportent bien vers lui le parfum et les cris. C'est le vieux dieu Temps, avec sa barbe de fleuve. Le dieu du temps, où il n'y avait pas encore les hommes. Pas même encore le temps. C'est pour lui qu'on a construit ce chaos, cette dévastation, ce tout à la ferraille. Il y est à son aise. Il s'y sent bien. Hirsute, barbouillé de vase, il s'y est endormi à la création du monde, d'un lourd sommeil sans rêve, dans l'écume du rien, du pas encore, du à jamais qui est son limon. Ne le réveillez pas. Il s'est assoupi. Il dormira ainsi jusqu'à la fin du monde. Il a pris possession de ce désert de pierre, et quand il le contemple à travers son sommeil, il a un grognement satisfait parce que plus rien autour de lui dans ce cimetière minéral ne lui rappelle la possibilité même d'un accident en faveur de la vie humaine. Nous sommes encore au premier jour, avant que tout ait commencé. Dans ce jardin d'horreur que j'ai pourtant baptisé temple, moi une fois et pour toujours, parce que je suis le Verbe, même si jusqu'à la marque de la main de l'homme s'est effacée sur la pierre, à jamais.